Salut à tous, nous voilà de nouveau dans la région d'Aix-en-Provence avec beaucoup de soleil, pas beaucoup de pluie, désolé pour le test de pneus, ça va être difficile. Donc une fois de plus, on va continuer à travailler avec un nouveau pneu et son prédécesseur. Et je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. Alors, je vous rappelle que les premiers pneus qui sont sur la moto seront la référence de la journée. Et ensuite, le second train de pneus sera noté entre moins 5 et plus 5. Par rapport aux pneus de référence. Alors donc maintenant on est prêt, j'ai juste à mettre mon blouson et mon casque. Avec 30 degrés, je vous assure que ça va pas être super marrant. Et sur les précédents tests, je ferai toujours le même chemin et à peu près 75 km à 100 km. Allez, c'est parti. On est de retour à Aix-en-Provence, donc maintenant que j'ai pu voir comment réagissait le premier train de pneus, on va aller au magasin, changer les pneus et puis on va pouvoir comparer ensemble quel est le meilleur train de pneus. Le nouveau train de pneus a été monté, je pars du magasin, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Les quelques premiers kilomètres sont vraiment les plus importants et c'est là où on voit la différence. Comparer un petit peu avec le train de pneus précédent, honnêtement je pense que je suis même quasiment sûr que le premier pneu que j'ai essayé c'était les nouveaux, car celui-ci est largement correct, mais j'ai vraiment l'impression que le premier que j'ai testé tout à l'heure avait tout de mieux. Au niveau du freinage, c'était quand même mieux. Là, j'ai commencé à faire 2-3 petits enchaînements. Je trouve que la maniabilité était quand même meilleure ce matin. Et la stabilité et surtout la confiance dans les virages, elle était mieux ce matin que cet après-midi. Malgré que je ne recherche jamais la performance, je me sens vraiment mieux avec les pneus les premiers pneus que j'ai eus. Je me suis pas trompé, je suis content. Cet après-midi c'était l'ancien pneu et ce matin le pneu de référence c'était le nouveau pneu. Donc je vais vous les montrer parce que c'est encore une fois très intéressant. Donc celui-ci c'est le pneu de cet après-midi, le Sport Max 2, et celui-ci c'est le Sport Max 3. Donc ce qui est très intéressant c'est qu'une fois de plus, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était plus maniable, mais comme on peut voir celui-ci est beaucoup plus gros et celui-ci est beaucoup plus petit. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est une image, mais c'est ce qui rend c'est ce qui va rendre la moto quand même plus maniable et aussi peut-être plus confiante. En fait, je me sentais mieux avec parce qu'il était moins gros et là-dessus, c'était quand même beaucoup mieux. Ensuite, on peut voir quelque chose de nouveau aussi, ce sont tous les petits traits qu'il y a en plus sur le dessin du pneu. Ça veut dire que je pense que sur une piste grasse, enfin une piste, excusez-moi, une route grasse ou un peu humide, le pneu sera beaucoup plus adhérent que celui-ci, parce que celui-ci il est juste là pour évacuer l'eau, alors que là il y a de l'évacuation d'eau, et ici je pense que ça va donner un petit peu de mouvement au pneu, ce qui va lui rendre plus chaud, et donc s'il est plus chaud il y aura forcément plus de grip si jamais il y a un freinage d'urgence. Donc voilà, donc test très intéressant une fois de plus. Comme je vous ai dit, le pneu de référence de ce matin était le nouveau. Le pneu de référence ce matin est clairement au-dessus, sur partout, mais un step au-dessus. C'est pas quelque chose de pas bon ici. C'est vraiment ce pneu-là, j'ai pris confiance au fur et à mesure du temps, alors que celui-ci directement je me suis senti très à l'aise avec. Donc bravo pour ce nouveau pneu parce que clairement il est meilleur que son prédécesseur. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.